Tellement de chemins, tellement de chemins qui ne mènent à rien. Là où le bien est mal, là où le mal est bien. Le peuple est un peuple sans frein. Les modes de vie actuels sont tous orientés. Tout est fait dans le but d'étouffer la vérité. La société est malade, malade de la tête aux pieds. À tous ces principes, nous refusons de nous conformer. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas vu. La morale, tout est remis en cause par ceux qui promotionnent le mal. Le monde est frustré dans son attente de sécurité. Dépourvu de refuge, il ne sait plus ce qui est normal. Si seulement il savait où la folie les mène. Si seulement il connaissait la valeur de la vie humaine. Mon ami, nous savons que Dieu nous aime. Dans nos joies et nos peines, nous n'oublions pas que nous sommes loin, 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 loin de ce que nous voulons vivre. De là où nous voulons vivre, wow, 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 wow. Nous sommes loin, 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 loin. Comme le soleil perçant les nuages, regardez à l'horizon, nous encourage. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est à cette aventure-là que l'Éternel nous a appelés. Et c'est cette aventure-là que nous appelons la vie. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Yoni Poussav, ça.
parole pour aujourd'hui. Mardi 6 janvier, quelle attitude allez-vous adopter ? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Colossiens chapitre 1 verset 24. Vous avez le choix entre vous plaindre de vos problèmes ou vous réjouir de pouvoir les affronter avec l'aide de Dieu. Vous ne pouvez que rarement modifier les circonstances de votre vie, mais vous pouvez modifier votre manière de réagir face à elles. Victor E. Frankl était un neurologue et psychiatre autrichien déporté vers un camp de concentration en 1942 avec le reste de sa famille. Il fut le seul à survivre. Il écrivit après sa libération un livre qui relate ses expériences sous l'angle d'un psychiatre. Malgré les humiliations quotidiennes, les mauvais traitements, la torture et la peur, il explique que l'homme a toujours un choix, celui de déterminer sa réaction face aux circonstances, aussi cruelles soient-elles. Il écrit « On peut priver l'être humain de tout, excepté l'ultime liberté, qui est de pouvoir choisir la nature de son attitude face aux circonstances de la vie. C'est cette liberté spirituelle que personne ne peut nous arracher qui donne un sens à notre existence. Man's search for meaning. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez aussi l'assurance que votre Père Céleste vous accompagnera à travers toutes les circonstances de la vie. Affirmer sa confiance en Dieu quand tout marche bien est facile. Continuer à lui faire confiance et le louer lorsque tout s'écroule autour de vous est une autre histoire. Le prophète Habacuc venait de vivre l'une des périodes les plus noires de l'histoire d'Israël. Il ne pouvait se raccrocher à aucun espoir. La nation s'était écroulée, ses compatriotes emmenés en captivité ou tués, le pays était dévasté. Malgré tout, il déclare « Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. » Habacuc chapitre 3, versets 17 à 19. Comme Paul, apprenez à vous réjouir de vos faiblesses et même des épreuves, car c'est à travers elles que Dieu exprime sa toute-puissance. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05. Pas besoin de suspendre, louer au Seigneur, glorifier nous, au moins honorer. Toute gloire pour vous, qui pague pareil, qui chante nouveau, nous voulons lever. Pivot, pivot, lever nos vous, pivot, pivot, mon Dieu, pivot, pivot, magnifiez vous. Pour pas finir tout en guettant. Pivo, pivo, levez dans vous. Pivo, pivo, mon Dieu. Pivo, pivo, magnifiez-vous. Pour pas finir tout en guettant. L'homme essayait, yo fait tout bagaille. Devant ça, ou fait, et yo des bébés. Qui laisse qui t'a. Pas créer soleil, la ligne actéa, toutes ces merveilles. Pivo, pivo, m'levez dans vous. Pivo, pivo, mon Dieu. Pivo, pivo, magnifiez-vous. Pouvons pas finir tout en guettant. Pivo, pivo, m'levez dans vous. Pivo, pivo, mon Dieu. Pivo, pivo, magnifiez-vous, pouvons pas finir tout en guettant.
Soleil aux limites, connaissance, pouvoir, c'est dans bon Dieu. On réfléchit, c'est lui qui baille la vie, qui fait exister, fait m'exister. Piwo, piwo, levé dans vous. Piwo, piwo, bon Dieu. Piwo, piwo, magnifiez vous. On ne voit pas finir. Biwo biwo, levé dans vous. Biwo biwo, bon Dieu. Biwo biwo, magnifiez-vous. Pouvoir pas finir, tout en guettant. Biwo biwo, biwo, levé dans vous. Biwo biwo, bon Dieu. Biwo biwo, magnifiez-vous. Pouvoir pas finir. Tout en guettant.